Je suis gérante de l'enseigne Agitaform, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. L'origine d'Agitaform, c'est un rêve d'enfance, puisqu'à 14 ans, je dessinais déjà les plans de mon club de remise en forme à Lannes-sur-Alagnon. J'ai d'abord démarré en tant que coach dans une association sportive dans laquelle j'ai développé au départ tous les cours collectifs. Le bouche à oreille a fait son effet, puis d'une année à l'autre, on a réussi vraiment à développer l'activité. Puis progressivement, on a acheté quelques machines de musculation dans notre ancien local. Une, deux, puis trois, puis quatre. Et puis d'année en année, le nombre d'adhérents grossissant, on a décidé donc de développer l'établissement tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes implantés donc sur la commune de Lannes-sur-Alagnon depuis 2013. Et nous proposons une multitude d'activités pour tout âge. On propose les activités de fitness et de remise en forme, type cours collectif, à partir de 4 ans jusqu'à 80 ans. On propose également tous les suivis en salle de musculation avec du coaching individuel. Puis depuis 2 ans, nous avons développé la partie aquatique avec des leçons de natation à partir de 3 ans. Et des cours d'aquagym, d'aquabike, d'aquadouce. On s'oriente également énormément vers le handicap, de façon à proposer une multitude d'activités aux jeunes handicapés également. On est aujourd'hui 6 à travailler sur l'activité, pour 1100 adhérents pour la commune de Lannes. C'est une très grande réussite, on est ravis. Après, j'étais persuadée depuis le départ qu'il y avait une réelle demande en milieu rural, puisque les gens ont les mêmes besoins qu'en ville, seulement ils ne sont pas toujours prêts à faire 20 km ou 25 km pour aller dans un club de remise en forme. Donc le fait de leur proposer la prestation aujourd'hui juste à côté de chez eux, à des tarifs également raisonnables, fait qu'ils répondent présent. Quoi. Ah, tranquille là. Ce qui a permis en tout cas à Agitaform de se développer, c'est le contact et vraiment la relation clientèle qu'on a mis en place avec eux. On a aujourd'hui une très bonne image de marque par rapport à notre suivi client, à notre rapport à la clientèle, et je pense que ça fait vraiment toute la différence. Aujourd'hui, les gens qui viennent s'entraîner, et notamment en milieu rural, ont besoin de se dépenser, de faire du sport, mais ils ont également besoin d'un contact. Et c'est vraiment la priorité pour nous.